Europe 1. Le grand direct de la santé avec autour de la table aujourd'hui le docteur Gérald Kirzek, Elisabeth Assayag, Isabelle Quenat et notre nutritionniste, le docteur Jean-Michel Cohen. Oui, c'est le jour du test. Vous le savez, une fois par semaine, on teste des produits de votre quotidien. On les teste à la fois sur le plan du goût, parce que c'est important quand on mange, et sur le plan diététique avec le docteur Jean-Michel Cohen. Et aujourd'hui, on a décidé de s'attaquer aux sauces tomates pour les pâtes. Et vous le savez, dans cette émission, on vous dit tout, c'est-à-dire on vous dit ce qu'on en pense, mais en vous citant les marques, parce que c'est beaucoup plus clair pour vous quand vous êtes dans les supermarchés. Donc je peux vous dire qu'on a du Monoprix, on a du Sacla, on a du Panzani, on a du Heinz, on a du Barilla. Voilà quelques-unes des marques qu'on va tester avec vous en direct dans un instant. D'abord, docteur Jean-Michel Cohen, les pâtes à la sauce tomate, c'est diététique ? Oui, ça reste quand même un produit diététique par rapport à toutes les autres sauces. La sauce tomate, elle est incontestablement plus légère que les quatre fromages, que la carbonara, que les sauces au pesto qui nécessitent beaucoup d'huile. Et je voudrais surtout dire comme premier conseil, malgré tout ce que je vais raconter sur les boîtes dont on va parler aujourd'hui, c'est vraiment intéressant d'utiliser les boîtes de tomates et les sauces tomates cuisinées du commerce. Ce sont des sauces pas caloriques, qui ont du goût et qui vous évitent de faire beaucoup de travail. Pardon. Je suis en train de goûter. À chaque fois que vous arrêtez, quand je suis en train de commencer à goûter. Je vérifierai. Quelle est la recette de base pour la sauce tomate ? Oh, classiquement, on met soit de la purée de tomate, soit du concentré de tomate, soit du coulis de tomate, c'est-à-dire une purée qui a été liquéfiée ou dont on n'a pas gardé la pulpe. Et on ajoute à ces ingrédients le sel, de temps en temps du sucre, comme le font les ménagères. Et après, c'est selon le fabricant, huile d'olive, parmesan, fromage, tout ce que vous voulez. Tout est possible en termes de sauce tomate. Ces sauces industrielles sont fabriquées de façon correcte ? Ah, si je voulais faire mon petit 60 millions de consommateurs, je dirais effectivement, non mais parce que ça me fait toujours rigoler, les purées de tomates, les gens le savent, on l'a déjà vu, je l'ai déjà décrypté moi-même à la télévision, elles peuvent dater de 2 ou 3 ans parce qu'elles sont congelées, oui, on congèle la purée de tomates une fois qu'elle a été cueillie et on peut la conserver en surgelé pendant 2 ou 3 ans et des fois on réutilise des stocks de 2 ou 3 ans pour refabriquer de la purée de tomates, ce sont des processus industriels. Mais c'est un problème ou pas ? Non, non, c'est pas un problème, ça altère peu les qualités nutritionnelles et en même temps c'est très utile pour la conservation, pour abaisser le prix aussi. On avait vu en 2014 un reportage sur France 3 notamment, qui montrait que parfois même s'il y avait écrit Made in Italy ou Made in France, certaines venaient de Chine. Oui, alors en général le Made in Italy c'est pour évoquer justement la couleur de la sauce tomate qui est typiquement italienne, mais c'est vrai que ces produits peuvent y compris venir de Chine, y compris venir de toutes origines, et quand on dit Made in Italy, c'est souvent soit ça a été embouteillé en Italie, soit on a pris un produit italien, c'est un artifice marketing, l'Italie rappelle la sauce tomate comme le soleil rappelle la sauce tomate. Alors il y a différents types de sauce tomate, alors d'abord quand on voit la pulpe de tomate concassé. C'est alors, quoi ? C'est simplement de la pulpe de tomate, on a pelé la tomate, on l'a épépinée, on l'a coupée en petits morceaux et ça a fait de la pulpe de tomate concassée et après on va la mixer ou pas la mixer pour en faire de la purée ou laisser des morceaux. Ça c'est justement pour flatter le goût du consommateur. Il y en a certains qui aiment les petits bouts de tomate et d'autres qui veulent quelque chose de très liquide. Donc purée ou coulis c'est pareil purée, que pulpe ? Non, le coulis est plus liquide que la purée. On peut même avoir du coulis avec des morceaux et la purée c'est quand même de la tomate pure avec jus et chair en même temps. Le coulis, on va essayer de conserver essentiellement le jus et on va presser quand même la pulpe pour récupérer le maximum du jus de la tomate. Le concentré de tomate, c'est différent. C'est pas la même chose. Le concentré de tomate, c'est qu'on va réduire la purée ou le coulis jusqu'à déshydrater ce produit et on va hyper concentrer, ce qui va hyper concentrer à la fois la saveur, c'est-à-dire qu'on va avoir un goût très intense de la tomate et en même temps, on va avoir un plus petit volume. Le concentré de tomate peut être dilué. Chez nous, on peut le faire. On peut mettre du concentré de tomate dans une casserole et mettre ce qu'on veut en eau pour tomate. De légèrement, du vin, très un fort. Peu de vin blanc. Oui, un petit peu de vin blanc. Allez, on y va pour les recettes. Le poivre, le basilic. Mais c'est un gourmand. Il faut apprécier les choses de la vie. Bon, on y va pour le test. On va commencer. Sauce Panzani cuisinée aux petits légumes, 180 grammes, 90 centimes. C'est sous forme de tube. Alors, c'est un peu bizarre, sous forme de tube. Mais c'est bon, j'ai goûté. Je trouve que ça a plutôt bon goût. Le produit est bien composé. Il y a du concentré de tomate pour 38%, de l'eau, des légumes, de l'huile de colza. Beaux ingrédients. La seule critique que je pourrais apporter, c'est quand ils disent fromage et dame avec une parenthèse lait colorant roucou, on voit bien placé beaucoup. Comme il est en 5e ou 6e position, que les dames, il n'y en a guère plus que 4-5 grammes dans ce produit, à peine. Mais, et la valeur calorique de ce produit, qui peut sembler très élevée, 126 calories, elle est simplement liée à la concentration du produit qui nécessite soit d'en mettre un petit peu moins parce qu'il est concentré, soit de le diluer avec de l'eau. C'est un produit tout à fait traditionnel, rien d'extraordinaire, ni mauvais, ni bon. En plus, c'est 90 centimes. Oui, c'est pas cher. Voilà. C'est, je le classe dans les produits intéressants, pas au top, mais intéressants. Moi, je trouve que c'est un bon produit. Ouais, moi aussi. Je trouve que c'est bon. Et en plus, je trouve que le
conditionnement est intéressant, c'est typiquement le tube tomate pour les pique-niques, ouais. Parce qu'elle est très bonne. Bon, bah celle-là, on la met de côté, on la sélectionne. Monoprix, petit prix, colis de tomate. Alors là, il y a 420 grammes, 85 centimes. J'ai goûté, moi j'ai l'impression que c'est de la tomate et de la flotte. C'est de la tomate et de la flotte. Ah bah. C'est, mais la promesse, au goût, ça se sent tout de suite. Pour moi, c'est pas une sauce tomate, c'est une base de sauce tomate. Oui. Ça veut dire que là, vous avez de la purée de tomate mi-réduite et du sel. Ça veut dire qu'on vous donne la base de la tomate. C'est intéressant pour une cuisinière qui décide d'utiliser ça à titre de tomate. Mais franchement, ça a quand même toujours moins de goût qu'une tomate fraîche. Et puis qui est obligée quand même de cuisiner derrière avec des épices, du sel, du poivre, de l'huile, etc. Donc c'est de la tomate préparée en purée, ouais, sans intérêt. Sans intérêt. Ensuite, on passe à la Sacla tomate parmesan, 345 grammes. Alors, je vais vous dire, c'est une marque que j'adore. Moi, je prends les Rabiata Sacla, mais celle-là, elle n'a aucun goût. Alors, je vais vous énerver parce que c'est votre préféré. Enfin, pourtant, non, c'est pas ma préférée, c'est la Rabiata qui est bonne. Je vous dis, celle-là, elle n'a pas de goût. En fait. Chez Sacla, la Rabiata, sans gluten, elle est plutôt bonne. Mais c'est une bio, oui, c'est bizarre. Alors oui, mais ça m'agace, parce que vous voyez, justement, l'argument bio vous a frappé. Et quand vous regardez la composition du produit, tomate, D, jus, double concentré, je répète, dans ce produit de chez Sacla, des jus double concentré. Ça veut dire qu'ils ont fait un mélange de plusieurs types de tomates pour arriver à obtenir la teinte qu'ils voulaient. Et puis alors, ce qui m'a énervé le plus, bien qu'ils mettent une bonne huile de tournesol, c'est fromage parmigiano reggiano, 4%. Franchement, les gars, 4%, bon, vous avez peut-être le droit de le marteler sur l'étiquette, mais tomate et parmesan, je m'attendais à avoir un peu plus de parmesan que 4 grammes pour 100 grammes, et dans ce pot, il y en a 10 grammes. Julie, donc, pas elle est acide. Sympa. Elle n'est pas terrible. Elle n'est pas terrible. Moi, je trouve qu'elle est très salée. Est-ce que c'est à cause du parmesan ou pas? Ou elle est plus salée? Le parmesan est un fromage extrêmement salé, mais là ils en ont de toute façon rajouté du sel, donc elle est chère parce qu'elle fait 2,63€. Mais c'est toute l'embrouille à l'heure actuelle, c'est que dans le bio vous avez le bon bio, je dirais, où vraiment le produit est intéressant, etc. Et vous avez du bio marketing, là on est typiquement là-dedans. Alors on passe à la Panzani Bolo Balls de bœuf avec écrit un max de viande. Alors celle-là je la goûte pas parce qu'il y a de la viande, mais sympa. Alors un max de viande, alors ceux-là je vais me les faire. Panzani Bolo Balls au bol, un max de viande. Mais je tombe sur une boulette tout de suite. Un max de viande. Ah non, c'est pas une boulette. Je reviens. C'est un gros mot. J'arrive mais tout non, de suite. C'est une boulette de viande. Attends. Un max de viande. Produit à base de viande de bœuf avec protéines végétales 16%, viande de bœuf 60%, soit 9,6% de viande. Ça veut dire qu'il y a 10% de viande dans ce produit. Pour un max de bœuf, bonjour. Et c'est pas de la viande de bœuf parce qu'on rajoute des protéines végétales de soja à 29%. Alors là, les gars, c'est pas sympa de faire ça parce que vous écrivez Bolo Balls au bœuf. Je sais pas si Panzani m'écoute, mais franchement, bon, je sais que vous faites une recette, qu'elle est bonne à manger, mais c'est pas la promesse. Et puis alors, je vous continue pas le produit. Hein. Oignons, carottes, viande de porc, 4%, allons-y, sucre, sel, amidon transformé de maïs, arôme, plantes amandes. Je vous arrête un instant. C'est de la Bolo Balls de bœuf et il y a du porc. C'est de la Bolo Balls de bœuf, oui monsieur, et il y a écrit viande de porc, 4%. Oui monsieur. Panzani, si vous m'écoutez, on a besoin de se parler, il faut changer cette recette, évidemment. Julie, c'est comment? Bof. D'accord. Isabelle? Bah, ça manque de spaghettis, mais c'est pas top. Ouais. Non, Gérald, vous avez goûté aussi? Ça fait pas très alimentaire humain. C'est-à-dire que l'odeur est assez particulière quand même. C'est pas terrible. Bon, mais ceux-là, ils sont habillés pour l'hiver. Franchement, j'attends le rappel. Bon, moi, j'ai pas goûté parce qu'il y a de la viande, donc je mange pas de viande. Donc, mais je le sais. Mais il y avait de la viande de soja un peu, il suffisait de trier. Ouais, bah non, mais je vais pas trier. Rumo, alors c'est quoi ça, Rumo? Je connais pas cette marque. Chugo. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Chugo à la Rabiata. C'est mexicain, non ? Des marques de petits industriels. Elles sont intéressantes parce que ce sont des gars qui ont des usines, des petites usines qui fonctionnent quand même. Sans le poivron. Qui ont de la recette artisanale. Ils ne sont pas capables de fabriquer des grandes quantités. Ah, c'est à la Rabiata, Jean-Marc. Ça veut dire leurs produits peuvent être intéressants. Et là, chapeau, les gars. C'est bon. Rumo, chapeau. Parce que tomate 90%, poivron 5%, oignon, huile de grenier de tournesol, piment 1,1%. Il n'y a pas grand-chose. S'ils avaient pris une tomate bio, ils étaient bio, ceux-là. Donc, Rumo Sugo à la Rabiata. Bravo les gars, 2,71€. Pas si cher que ça par rapport à celle qu'on n'a pas appréciée, qui était la Sacla tomate et parmesan. Et voilà. Elle pique après. Hein. Mais vous inquiétez pas, on va finir l'émission quand même. Non, mais elle est très bonne, je trouvais. Et c'est une petite marque en fait. C'est ça? Oui, c'est une petite marque. On trouve. C'est sur ces produits, c'est vachement intéressant d'utiliser les petites marques parce que c'est de la petite recette artisanale qui a été industrialisée. Ils n'ont pas assez de volume pour vendre à tout le monde, mais elles sont intéressantes. Julie, c'est comment? Elle est bien. Elle est bien. On la met de côté. Non, ce qui est sympa, c'est qu'on est tous en train de tremper notre cuillère dedans. Et justement, en termes d'hygiène, est-ce que les tubes ne sont pas mieux que ces pots-là? Parce qu'une fois que c'est ouvert, ces pots-là, ça se garde combien de temps? Là, tu m'as séché, mon gars. On trempe tous le truc dedans. Oui, la cuillère. La cuillère. Attends ta prochaine chronique, tu vas voir. On passe à Heinz, le coulis de tomate.
Bon, voilà. Oui, bof, voilà. Vous avez traduit, quoi. Alors, c'est un coulis de tomate. Alors, ce qui est intéressant, vous allez lire, si vous lisez bien l'étiquette, purée de tomate mi-réduite à 11%. Ils ont mis 220 grammes de tomate pour obtenir 100 grammes de produit. Donc, ça veut dire qu'ils l'ont réduit. Ouais. C'est un coulis de tomate. Donc, ça veut dire qu'ils ont épaissi sans aller jusqu'au concentré. C'est de la préparation à base de tomate. Elle est intéressante si vous voulez faire de la cuisine, peut-être pour un fond de pizza. Et puis, à condition de rajouter plein d'autres choses à côté, elle est bof. Ça vaut combien, ça? 0,95. Ça vaut pas cher. Ouais, 0,95. Bah oui, mais c'est que de la tomate en purée. C'est sans grand intérêt. Oh, mais si, c'est bon. Oui, mais c'est sans intérêt, quoi. Ah, tiens. En voilà un autre qui va permettre de me défouler, tiens. Ah, Barilla? Ouais, c'est ça, Barilla. Basilico, ouais, tomate, Barilla. Cerise. Alors, c'est bon, Barilla, normalement. Vous êtes d'accord, hein. Vous lisez Barilla, Basilico à votre tomate cerise, vous avez envie de penser tomate cerise, elle est tomate bonne. Cerise, ça vous dit se concentrer. Bah oui, elle est bonne. Elle est bonne, franchement. Bah oui, je vous comprends qu'elle est bonne. Vous savez ce que c'est, les tomates cerises? Non. C'est de la purée de tomate cerise pour 4%. Donc ça veut dire que la tomate cerise, mais c'est un justificatif. Pulpe de tomate 65,7%, concentré de tomate 12%, c'est pour ça que vous avez apprécié l'acidité. Ouais. Carotte, purée de tomate cerise 4%, c'est ceux qui font la publicité de ce produit. Ce qui fait la publicité, c'est que ça soit des tomates cerises. Bah oui. Il y en a très peu, c'est de la purée de tomate cerise. Et le basilic, c'est 2%. Bon, c'est normal de ne pas mettre tonne de basilic, mais quand même, moi, j'apprécie pas quand on met des allégations comme ça sur un produit qui attire le consommateur. Moi, j'aurais pu l'acheter, cette sauce tomate. Mais elle est bonne, franchement, goûtez-la. Vous l'avez goûtée? Mais c'est bon parce que c'est du concentré de tomate avec de la purée de tomate. Oui, c'est bon. Oui, d'accord, c'est bon. Mais c'est quoi? Mais c'est, j'aime pas qu'on triche. Il y a un côté plus mensongère pour vous. Bah, quoi, c'est moi, ça j'aime pas. J'aime pas le fait de mettre tomate cerise quand on met 4% de purée de tomate cerise. Voilà. Pourquoi est-ce qu'ils mettent tous de la carotte? Bah, parce que la carotte, ça adoucit. C'est une façon de sucrer légèrement. Et puis, c'est une façon de colorer aussi. Parce que la coloration de la tomate, elle est vraiment importante. On en a parlé récemment, là, justement, nos camarades de 60 millions qui ont parlé de la façon de colorer les produits. Donc, ça permet d'obtenir une coloration comme les gens le veulent, sans avoir à bricoler avec les conservateurs. Franchement, celle-là, on l'aime tous. Hein. Bah, ouais, alors, vous l'aimez. C'est la Barilla, c'est ça? Oui, c'est la Barilla. Voilà, regardez-la. Donc, réflexion. Barilla, mettez basilico avec un peu de tomate cerise. Bon, on termine avec Italians Do It Better. Je ne sais pas ce que c'est cette marque. Putanesca. Putanesca. Le jour où j'aurai le temps, je vous expliquerai ce que c'est Putanesca. Putanesca, c'est une recette, mais ouais. L'origine de la recette, c'est quand une femme était un peu infidèle à son mari et que le soir le mari rentrait, eh bien, elle préparait très vite des spaghettis à la putanesca parce qu'elle coupait des olives, des anchois, etc. Et elle mettait tout ça très vite dans la casserole. C'est ça l'origine du mot putanesca. Super, elle est super. Alors, on va s'arrêter d'abord parce qu'elle est super chère. On va vous le dire tout de suite. Elle vaut 4,69€. C'est une tonne. Et il y en a la moitié dans les autres pots, mais elle est super bonne. Et alors, j'avais envie, vraiment, quand j'ai lu le pot, j'ai eu la réaction des décrypteurs habituels, c'est-à-dire le côté italien do it better, la bouteille carrée, genre le marketing à fond. Et ensuite, quand j'ai lu la composition du produit, tomates de saison et olives de tagliacci, sauce napolitaine épicée au parfum finement relevé, il y a de la tomate de saison, de l'olive, de l'huile d'olive extra vierge, des capres de Pantelleria, qui sont des bons capres, de l'ail, du piment, du basilic. Franchement, très beau produit, très joli produit. Dommage cher, mais très joli produit. Très bien. Julie, arrêtez de manger la Heinz comme ça. Julie, elle se siffle le coulis. Une soupe de tomates, moi, je mange le coulis. Oui, mais c'est pas une soupe de tomates, c'est fait pour faire des pâtes normalement. Mais donc c'est bon comme ça, moi, je trouve. Bon, alors on vous rappelle nos préférés aujourd'hui, c'est la Rumo Sugo Arrabbiata. C'est la Barilla Basilico aux tomates cerises. C'est la Panzani sauce tomate cuisinée aux petits légumes. Et puis c'est la Italians Do It Better. J'ai adoré. Voilà, elle est très bonne, hein, ça. Ah, j'ai adoré. Elle est dommage qu'elle soit si chère. En revanche, on n'a pas aimé les Panzani Bolo Balls. On n'a pas aimé la Sacla tomate parmesan, on n'a pas aimé la Monoprix petit prix. Et j'ai adoré la Hans, le coulis de tomate. Voilà, qui n'a aucun goût. Donc, si, comme Julie, vous n'avez aucun goût, n'hésitez pas. Soupe à la tomate. Oui, mais c'est de la soupe, Julie. On fait des pâtes, on fait pas de la soupe. Le jour où on testera les soupes, vous nous direz que c'est bon. Allez, on fait une pause, à tout de suite, Europe.